Elle a 31 ans et risque 10 ans de prison pour avoir accosté de force dans la nuit dans le port de Lampedusa. Carola Rackettel, la capitaine du Sea-Watch, a été arrêtée par la police italienne sous les cris des militants et des opposants. Carola Rackettel et son ONG transportaient une quarantaine de migrants bloqués à bord du navire humanitaire depuis 17 jours. Le bateau était stationné en face du petit port de Lampedusa et la nuit dernière, son capitaine a choisi d'accoster malgré la vedette de police qui l'en empêchait. 5 pays européens se sont proposés pour accueillir ces réfugiés sauvés au large de la Libye. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur d'extrême droite, s'est réjoui de l'arrestation de Carola Rackettel, qualifiée d'hors-la-loi aux commandes d'un bateau pirate. Lampedusa est en première ligne de l'arrivée des migrants depuis près de 30 ans. L'extrême droite a obtenu ici 45% des voix aux élections européennes.